Hop. Nous sommes de retour. On est de retour enfin pour cette fin de rencontre. Après quelques péripéties de notre coordinateur qui a eu des difficultés, des mises à jour à faire, du nettoyage, bref, un peu compliqué. Le temps de changer. Hein. Et le temps aussi pour le Servette FC de faire un poteau par l'intermédiaire de Kevin Mbabou. Il y a toujours 1-0 pour les Grenats, on a enlevé le chronomètre. Et voilà, 83e minute, toujours 1-0 donc pour les Grenats, avec les Servetteurs justement qui repartent à l'attaque avec Antounès. Antounès qui se bat bien, c'est bien joué d'Antounès pour Rony Rodelin. Rony Rodelin, une passe en profondeur pour Stevanovic. Malheureusement, long, ouais. C'est un tout petit peu long. Et les joueurs de Vientiane peuvent rapidement repartir. Merci pour le commentaire sympathique. Mais c'est vrai que c'est compliqué à Winterthur avec notre vieil ordinateur et leur wifi un petit peu bancal totalement. Ouais, pour pas dire un mot méchant, on va dire. Et Winterthur, du coup, c'est difficile de se remettre dedans. Oui. Là, mais Winterthur qui a le ballon, on cherche une transversale et ça va jusque dans les mains de Jérémy Frick qui ne bloque pas ce ballon et qui le bloque maintenant. Et Ramizé qui a dû lui dire une petite sympathie au passage. On a vu la tête se diriger vers Jérémy Frick. Mais le portier Grenat peut relancer tranquillement sur Nicolas Vuillot. Vuillot pour Mbabou. Mbabou, c'est bien joué en profondeur pour Antounès. La déviation de la tête est complètement ratée de Guelmi. Mais Arnold peut quand même remettre à Couster qui a le ballon dans les pieds. Alors qu'il y a 2-1 pour le Servette chinois à Saint-Gall à 5 minutes de la fin. Donc les deux équipes Grenat qui sont en train de faire le nécessaire aujourd'hui dans leurs deux matchs du jour. Et on espère que ça va tenir pour les deux clubs à 5 minutes de la fin, d'un côté comme de l'autre. Alors que c'est un joueur de Guelmi, ça m'a coupé cette coupure. C'est bon ça. Avec Guelmi là, qui rate sa passe, ça revient sur Konya, Stevanovic à présent pour les Lady Ba, mieux de terrain, les Lady Ba mis sous pression et qui va obtenir une faute du numéro 14 de Winterthur. Carton jaune contre. Non, c'est le numéro 44, excusez-moi, c'est Rodriguez qui prend ce carton jaune. Ça paraît assez logique comme carton, il a empêché les Grenats de partir en contre. Et justement, les Grenats toujours en position de ballon. C'est bien joué ça pour Konya dans la surface de l'opération. Konya qui est pressé par Di Giusto. Konya qui peut continuer. Le son. Quel centre raté de Konya. Derrière le but, alors qu'il était vraiment à 5 mètres du but. Catastrophique ce centre de Timothée Konya. Bon, il est tellement parfait d'habitude, on ne peut pas trop lui en vouloir non, si ça arrive une fois de temps en temps. 85e minute de jeu, toujours 1-0 pour le SFC ici à la Schützen Wiese de Winterthur. Winterthur qui va tenter d'égaliser dans les dernières minutes avec Guelmi à présent. Guelmi qui rejoint en retrait sur Schmid, pressé par Alexis Antounès avec Rodriguez sur le côté droit. Rodriguez qui joue avec Ramizy. Ouf. Ramizy qui envoie ce ballon en tribune et c'est tant mieux pour les Grenats. Je te laisse la parole. Petite goutte d'eau au passage. Santé. Avec Baron qui va jouer cette touche. Baron qui prend vraiment son temps. Hein. Qui va jouer sur Rony Rodelin. Rony Rodelin pour Enzo Crivelli qui garde ce ballon physiquement. Enzo Crivelli, c'est quand même quelque chose. Stevanovic qui ouvre parfaitement le jeu pour Kevin Mbabou. Mbabou, il y a Stevanovic qui se propose et il va être servi. Le joueur bosnien qui est pressé par Guelmi. Mais le bosnien qui arrive à servir Mbabou à nouveau. Mbabou qui a un petit peu d'espace. Mbabou, il y a Antounès qui se propose. Mbabou qui garde le ballon. Ouf. Oh là, Mbabou là qui ouvre son pied. Mais c'est. Dommage. On voit qu'il est défenseur. Ouais. Ouais, bon, en même temps, avant tout à l'heure, la finition était quasiment parfaite hein, de Mbabou. Oui. Ça a fini sur le poteau. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Un mauvais pied. Il a voulu mettre ce ballon dans la lucarne en face. Malheureusement pour les Grenats et pour lui, ce ballon s'est complètement dévissé. A été complètement dévissé. Et du coup, toujours 1-0 pour les Grenats, alors que ces dernières minutes sont longues. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, Servette qui se dirigerait inexorablement vers le podium en cas de victoire. Et ben là, ces dernières minutes sont assez pénibles à vivre, parce que ce serait vraiment dommage de perdre des points ici à Winterthur. Et les Grenats qui concèdent là une touche dans leur moitié de terrain. Les joueurs de Winterthur relancent en retrait sur Guelmi. Guelmi pour Di Giusto sur la droite pour Schmid. Schmid à nouveau sur la droite pour Rodriguez. Rodriguez, c'est bien joué cette passe en profondeur. C'est bien joué là des joueurs de Winterthur avec la belle intervention de Lediba. Ouh là là, le Lediba qui sert directement Rodriguez. Attention à Rodriguez qui peut avancer maintenant dans le terrain. Servir sur la droite un coéquipier qui est obligé de revenir en arrière avec le très bon
Pressing de Baron, mais toujours les joueurs de Winterthur qui ont le ballon et Rodelin qui ne vient pas presser. Et attention maintenant dans la surface, peut-être qu'il y a peut-être une faute là de Stevanovic. Non, ça a été un coup d'épaule visiblement, mais les Servettiens n'arrivent pas à dégager. Maintenant c'est le cas avec les Ladybas. Les Ladybas pour Antunes. Antunes, il y a un appel de Rodelin. C'est pour Rodelin. Rodelin qui va partir dans la profondeur. Il y a Enzo Crivelli qui vient au centre. Il y a également Alexis Antunes, mais Ronny Rodelin va revenir en retrait sur Timothée Cogna. L'équipe de Winterthur est complètement coupée en deux, mais les Servettiens n'en profitent pas vraiment et reviennent sur Baron, mais en même temps ils gagnent un petit peu de temps. Oui, il gagne de précieuses secondes les joueurs d'Alain Gaillard avec Vouillot à présent. Vouillot qui joue avec Johan Séverin. On ne va pas prendre de risques du côté du Servette FC alors qu'il y a un joueur de Winterthur qui s'est dit juste qu'il a les mains sur les genoux. Il a l'air complètement éreinté. Ouais, complètement. Joli mot. Bravo monsieur Zinguignan. Merci, cadeau. Avec oula, Antunes qui glisse et il s'est fait mal. Antunes, là j'ai l'impression. Oui, là peut-être le genou. Peut-être, alors que là, les joueurs de Winterthur, pourquoi ils s'énervent ? C'est-à-dire, il s'est fait mal tout seul. Généralement, quand on se fait mal tout seul, ça vient pas de nulle part. Ouais. On espère que c'est pas trop grave pour Alexis Antunes. Mais là, le genou, là, il se l'est tout de suite tenu. Ouais. Et là, par rapport à Stevanovic, il se relève pas, simplement. Ouais, alors que Ramizi est en train de faire des théories là, au milieu. Ouais, mais Ramizi, il faut arrêter. Hein. Ramizi, c'est vraiment peut-être qu'un des joueurs les plus détestables de cette ligue. Et compliqué de garder son sang-froid face à un joueur pareil, mais voilà, on a un joueur qui. Ça sent pas très bon là pour Antunes. Hein. Non, mais Rami, c'est vraiment qu'il arrête par contre, parce que c'est irrespectueux au possible. Il mériterait peut-être de prendre un carton aussi. Non, mais il demande quand même aux soigneurs d'arrêter de soigner Alexis Antunes. Alors... Ouais. Non, mais c'est exceptionnel ce qui se passe. Ouais, complètement. Ouais, c'est... Ah non, et c'est ça s'énerve avec Kevin Mbabou maintenant, ouais. Non mais alors là c'est scandaleux. Hein. Non mais c'est pas possible, il continue d'insulter les soigneurs d'Alexis Antunes. J'ai jamais vu ça. Et les Servettiens sont à 10 et Antunes peut revenir sur le terrain. Plus de peur que de mal a priori. Alors ça je ne m'attendais pas, mais attention maintenant aux joueurs de Winterthur qui peuvent avancer avec Rodriguez qui peut passer tout seul. 1-2, c'est magnifiquement bien joué. Attention à Rodriguez dans la surface, au centre entrée. Ouh, attention dans la surface avec les Ladybas. Heureusement, c'est dégagé. Et Rodelin et Cogna qui peuvent dégager le danger en direction d'Enzo Crivelli. Bien joué d'Enzo Crivelli, ça va être récupéré par les Ladybas. Les Ladybas qui peut accélérer. Les Stevanovic. Il peut servir Stevanovic très très fort, c'est trop fort. Et ça va être récupéré par Kuster. Kuster qui se met un petit peu en difficulté, mais c'est bien joué. Ouais, c'est joli. Pour Yannick Schmid. C'est un bon match, Kuster. Hein. Franchement, pas grand chose à dire. Et les joueurs de Winterthur peuvent repartir à l'attaque. Avec Guelmi à présent et son numéro 5 qui va jouer sur le côté gauche pour Chetine. Chetine pressé par Miroslav Stevanovic qui est obligé de rejouer sur Guelmi. Avec à présent Schmid. Long ballon de Schmid en direction de Rodriguez et ça va arriver dans les gants de Jérémy Frick. Et j'ai combien de temps il reste, est-ce que tu as vu? 4 minutes de temps additionnel, je suis assez d'accord avec le public, c'est pas énorme avec les arrêts de jeu qu'il y a eu, la blessure de Stevanovic, même si Stevanovic est revenu tout de suite en jeu il me semble, mais la blessure d'Antunes, les changements qui ont pris beaucoup de temps à se faire, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, quelques minutes, enfin peut-être 5-6, ça aurait été peut-être un petit peu mieux, un peu plus correct. En tout cas ça va, ça joue en faveur du Servette FC, donc on va pas forcément se plaindre, alors qu'en Changing, pour l'anecdote, Ville gagne 2-0 contre Vaduz, ce qui nous promet une fin de saison absolument explosive. Allez, encore 3 minutes 30, je sais pas si vous le sentez, mais je suis tendu dans cette fin de match. Il commence à faire froid en plus. Il commence à faire un peu froid, les joueurs de Winterthur qui ont toujours le pied sur le ballon, et il faudrait pas qu'ils se montrent dangereux, avec Stevanovic qui peut accélérer. Stevanovic pour Rodelin, c'est bien joué, le bon contrôle de Rodelin. Rodelin qui peut se mettre dans l'axe, Rodelin pour Antunes, c'est bien joué, Antunes les Ladybas, il faut avancer, les Ladybas c'est un peu trop, jouer petit, et c'est quand même un coup, il y a une grosse faute là, de Di Giusto, et Mbabou qui a quand même ce ballon sur la droite, Mbabou qui va peut-être gagner un petit peu de temps sur la droite, Mbabou toujours, oh, magnifique de Mbabou, il est passé, et qui est passé, Mbabou toujours, qui gagne un petit peu de temps maintenant, il est pressé par 3 joueurs de Winterthur, il va perdre ce ballon quand même sur Di Giusto et commettre la faute. Et carton jaune au passage pour... Alors c'est pas El Taïef qui avait fait la faute par contre, c'était Di Giusto. El Taïef demande... C'était pas El Taïef et là on le comprend, hein, parce que c'est pas lui qui a fait la faute. Mais bon, carton jaune quand même pour les joueurs de Winterthur. On joue depuis 1 minute 30 dans ce temps additionnel. Ça sera certainement corrigé en après-match. Oui, totalement. Et voilà, il vient de le faire, l'arbitre. Il a annulé ce carton pour El Taïef et il l'a donné à Di Giusto. C'est juste,
Et les joueurs de Winterthur qui peuvent repartir, ils jouent à 2 avec Kuster pour Gelmi. Gelmi devant pour Arnold. Les serviteurs sont très très bas. Hein. Dans leur moitié de terrain, ils y sont tous. Antunes qui les rejoint maintenant, c'était le dernier qui était dans la surface, enfin dans le camp de Winterthur. Passe en retrait pour Gelmi. Gelmi pressé par Antunes, bien joué de Gelmi qui peut passer à Arnold. À nouveau Gelmi, les joueurs de Winterthur qui jouent bien pour effacer Crivelli et pouvoir avancer un petit peu dans le terrain. Attention à ne pas laisser les joueurs de Winterthur se projeter vers l'avant avec Gantenbein. Gantenbein, attention dans l'axe, c'est Arnold, le centre au deuxième poteau. Il y a Eltaïev qui est absolument tout seul. Eltaïev devant la surface de réparation. Eltaïev qui passe. Eltaïev face à Mbabou. Superbe Mbabou. Magnifique là. Défense de Mbabou. Mais il y aura un corner pour Winterthur. Il reste 1 minute 30. Corner à venir pour Winterthur. Et ce serait vraiment dommage pour les Servettiens de concéder une égalisation sur cette occasion. Corner qui va être coboté par Eltaïev. Et c'est parti. Non, Eltaïev qui cède sa place à Di Giusto pour tirer ce corner. Ça commence à s'énerver, hein, de la Crivelli Ramizi, ça chauffe gentiment de la surface de réparation servettienne. C'est parti pour Matteo Di Giusto. Ce corner qui est tiré, qui est bien tiré, la tête de Rodelin, attention ça ressort. Dégagement de Antunes sur Stevanovic, il faut aller se battre Stevanovic, bien joué de Stevanovic. Il faut dégager ce ballon, c'est fait sur Antunes, il faut se battre aussi Antunes malheureusement qui perd le ballon. Il reste encore une minute à jouer, certainement encore une ou deux occasions pour Winterthur avec Kuster. Kuster sur la droite. Kuster pour Arnold, Arnold Gelmi, on va certainement balancer ce ballon dans la surface, Gelmi justement qui envoie en direction de Crivelli, la tête de Crivelli, ça ressort sur Rodriguez, Rodriguez sur la droite pour Gonsalves, Gonsalves pour Ramizi, bien joué, Ramizi retour à Gonsalves, allez bien joué, attention à ne pas se lancer avec Gonsalves qui va pouvoir s'entrer du gauche au deuxième poteau, et ça sort, et ça passe c'est tant mieux la défense, pour le Servette FC, ouais. Et changement double, je sais pourquoi faire ça. Double changement à 20 secondes de la fin. Konya qui cède sa place à Steve Rouillet et Stevanovic pour Boubacar Fofana. Ah, c'est peut-être pour perdre un peu de temps, hein. on va pas se le cacher. Ouais, perdre du temps alors que certainement l'arbitre a sifflé la fin du match sur le dégagement. Je sais pas si c'est la meilleure des idées. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors que il n'a pas voulu prendre de risques, disons. Oui. Et moi je suis complètement contre hein, les changements dans les dernières secondes. C'est pour moi en fait une possibilité pour l'arbitre de rajouter du temps encore. Mais voilà, on va voir, on espère que ça ne va pas poser de problème pour les Servettiens que Jérémy Flick va pouvoir dégager ce ballon le plus loin possible en direction de Enzo Crivelli et que les Servettiens vont gagner ce duel de la tête pour ne pas se mettre en difficulté. Je perds un peu ma voix. C'est parti pour Jérémy Flick avec ce dégagement. Jérémy Flick en direction justement d'Enzo Crivelli. Crivelli qui gagne son duel de la tête. Non, ça va être récupéré par Eltaïev. Attention à droite, il y a un joueur qui est absolument tout seul. Et Rodriguez peut récupérer à gauche. Rodriguez qui va pouvoir en deux temps servir Eltaïev. Allez, Mbabou, il faut aller dessus. Super, Mbabou. Mbabou qui met ce ballon en touche. Et l'arbitre laisse une dernière occasion. C'est ce que je craignais alors que ça fait 5 minutes. Certainement le changement qui a permis à l'arbitre de rajouter encore du temps. Gelmi qui peut servir Kuster. Et c'est la fin. C'est la fin de cette rencontre. Le Servette FC qui s'impose ici à Winterthur sur le score de 1-0. Et qui fait un pas presque décisif vers le podium de cette Super League et vers minimum 6 matchs en Europe. Est-ce que vous êtes prêts à voyager? Est-ce que tu es prêt à voyager avec nous en Europe? Le Servette FC qui va, il a déjà retrouvé l'Europe, mais qui va certainement retrouver beaucoup d'Europe et beaucoup de matchs cet été. Je suis éreinté, on n'en peut plus. On rentre à Genève, on fait nos interviews, on se tire. Vous l'avez vu voir ce stade. Vous l'entendez avec ma voix, vous l'avez vécu avec ce live qui a été coupé à de nombreuses reprises. Ce match qui a été vraiment difficile à commenter tellement qu'il était mauvais, on va pas mentir. Mais le Servette FC qui repart de la chute sans viser avec 3 points et qui enchaîne une troisième victoire de suite et qui prend 8 points d'avance sur le FC Lucerne alors que Lucerne joue ce soir. Et si le FC Lucerne ne gagne pas ce soir, Servette sera assuré d'être sur le podium de Super League. N'est-ce pas une belle soirée, cher Ethan? Magnifique. Là, je suis éreinté. Comme je te dis, j'en peux plus. On va pas forcément rallonger le live. On va aller faire nos interviews d'après-match et gentiment rentrer sur Genève. On fait comme ça? On va peut-être juste regarder une ou deux réactions que vous avez. Et une ou deux questions que vous avez. Peut-être sur le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis voilà, nous en tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous faire vivre ce match. C'est vrai qu'on est très très fatigué. On va aller vite rapidement aux interviews. Et puis préparez-vous à
vous connecter sur nos réseaux sociaux. On vous prépare quelques petites surprises ces prochains jours. On espère qu'elles vous feront plaisir. En tout cas, ça a été un immense plaisir pour nous de vous faire vivre ce match, cette nouvelle victoire du Servette FC. Et on se retrouve dès jeudi pour la rencontre à la Praille entre le Servette FC et le FC Bâle. Et on vous souhaite une bonne soirée. Une bonne soirée et je vais dire bon retour à Genève, mais non, c'est que pour nous. C'est que pour nous, mais bonne soirée, bon retour quand même. Et puis on se voit tout bientôt sur les antennes de Lucarne Grenat, sur la chaîne YouTube du Servette FC. Ouais. Et Antoine qui vous fait un petit coucou avant de partir. C'est cadeau. Bonne soirée tout le monde et à tout bientôt.